monde, re-bienvenue sur notre chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit Q&A sur le fameux sérum d'Olay parce qu'en fait, vous étiez plusieurs à me poser des questions. Je me suis dit, au lieu de vous répondre tous un à un, j'allais répondre à tout le monde en même temps. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas faire ça dans mon nouveau setup YouTube! Oui, là, il manque bien des affaires ici, mais ça s'en vient, on s'inquiète pas. Mais je tenais à inaugurer la première vidéo parce que c'est un moment que j'attendais depuis vraiment très très longtemps et que ben j'ai travaillé fort sur la déco. Donc j'espère que ça va vous plaire une fois tout fini. Donc, en tout cas, je dérive là, mais je réponds aux questions. Première question qui revenait littéralement tout le temps, c'est à quoi donc ça sert des sérums? En fait, ça dépend vraiment de ce que tu as besoin. Par exemple, celui-là contient de la vitamine B3 et C qui servent à ravifier le teint de la peau puis lui donner une espèce de petit glow, plus de lumière en fait. Et moi, la raison pour laquelle je voulais un sérum, c'était pour lui donner un teint plus uni, une allure plus saine et donc avoir un effet comme si je portais du maquillage quand j'en porte pas et donc épargner beaucoup de temps le matin quand je dois me préparer. Et donc moi, vous le savez, je suis ultra picky avec ce que je me mets dans le visage, les produits que j'utilise, et celui-là je trouvais qu'il complémentait vraiment bien ma routine, donc un gros 10 sur 10 pour celui-là. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y a bien dans ce sérum-là? En fait, comme le nom le dit, ça contient de la vitamine C et B3 qui vont bien nourrir la peau et donc lui donner ce fameux glow-là, mais sans donner la peau grasse, parce qu'on s'entend que des fois la ligne est super mince entre une belle peau super glowy et une peau un peu plus grasse. Et donc la vitamine C aide à unifier le teint et éclaircir la peau un peu plus terne. Et vu que c'est un antioxydant, ça aide à protéger contre les dommages UV et la pollution. Tandis que la B3, aussi appelée niacinamide, peut-être que vous l'avez déjà retrouvé dans d'autres produits, ça sert à tonifier la peau et même protéger contre des signes de vieillissement. Ce sont tous ces beaux ingrédients-là qui donnent ce fameux sprinkle glow-là. Troisième question, c'est à quelle fréquence l'appliques-tu? En fait, pour avoir un maximum de résultats, je le mets autant le soir que le jour parce que avant d'aller se coucher, c'est tellement important d'avoir une bonne routine de soins parce que c'est à ce moment-là que ta peau se renouvelle et absorbe le plus de produits. Et donc, c'est pour ça que je le mets le soir et le lendemain matin pour avoir un beau petit glow toute la journée. Donc, voilà. Quatrième question, c'est est-ce qu'il est dispendieux et où on peut le retrouver? Là, avant tout, on va démystifier quelque chose parce que souvent, quand on pense que quelque chose est hyper efficace, ben, ça coûte super cher. Mais en fait, ce sérum-là en est tout le contraire parce qu'il est super abordable et se retrouve en pharmacie. Puis, c'est tellement, mais tellement important de prendre soin de sa peau, mais on n'a pas besoin de sacrifier notre portefeuille pour le faire. Cinquième et dernière question, c'est comment l'appliques-tu? En fait, c'est super simple, il y a une espèce de petite éprouvette comme ça, donc avec la suction, ça fait monter le sérum dans le petit tube et j'aime bien l'appliquer sur ma main en premier, ça me permet de mieux calculer la quantité parce que t'en as tellement, mais tellement pas besoin de beaucoup, parce qu'une seule goutte a le pouvoir de renouveler plus de 1 million de cellules. Et surtout, on veut absolument pas de bactéries sur l'espèce de petit tube ici, donc le faire sur ta main, ça va juste vraiment mieux. Donc c'est ce qui conclut la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à toutes vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire et je vais mettre aussi le lien où vous procurez le fameux sérum en bio. Puis si jamais vous voulez venir me jaser, n'hésitez surtout pas à venir m'écrire sur Instagram. Puis ben là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Ah, oh, attendez, il manque Tequila vous dire au revoir. Bye! Oh, je l'ai réveillée de sa sieste, elle est pas contente. Bye!